cari choi kana kele ya kana moro la me ala dia da toni du mala me igi agli sigi yambita fusa bata training a nego be fi yeah I'm the OG over me yeah kana la jeme te ki yeah yambi mene kanushi yeah yambi mene se la fi yeah yambi mene se la fi. Je pense que ma musique elle est pas vraiment pour me montrer ou pour je sais pas, pour montrer que je suis au-delà de mes moyens, pour montrer un peu que je suis dans le mix ou quoi que ce soit. C'est pour un message que je fais de la musique. Et juste pour ça, je peux pas vraiment montrer des filets dénudés, des dégradés en fait. Yeah, my niggas eat chef. 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 Niggas who can't let go me at all. The show with me, nigga, not cheer for. Every day sipping an activist. The slow motion like a talk. Honey, girl, you was a honey. Honey, make all of us a son visa. Nigga, hoot, mama, little boy. Tell him I jam on the mind, my channel. Niggas who better on Harley. My nigga, I fell on a falling. Je dirais que ça y est pour quelque chose, le fait que je sois dans une relation particulière avec une femme déjà, et aussi le fait que je sois assez mature en fait, parce que pour mon âge, j'ai traîné avec des gens déjà plus âgés que moi, parce que j'arrivais pas à traîner avec des gens qui, voilà, des gens plus jeunes, parce qu'on n'avait pas vraiment les mêmes perceptions de la vie en fait. Et je pense que c'est, elle en est pour beaucoup de comment je suis actuellement et mon style de vie en fait. Mes relations avec les femmes, avec les. Et la gente féminine en fait, c'est à cause d'elle en fait. Parce qu'elle m'a vraiment, j'ai touché ce côté vraiment sentimental quand ça s'agit des femmes quoi. Parce que c'est maman, c'est vraiment, c'est tout pour moi. Donc, c'est logique en fait. Ma mère elle m'inspire parce que déjà, ma mère c'est un soldat. C'est, je sais pas comment dire ça en fait. C'est tout pour moi en fait. Ma mère c'est une battante, c'est une amie, c'est tout ce que j'ai, tout ce qui se passe dans ma vie est autour d'elle en fait. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie et elle m'influence dans tout ce que je fais parce que c'est une personne qui m'a vu grandir, qui me connaît et qui arrive à faire de moi qui je suis, à me motiver, à me donner la motivation qu'il faut, la force qu'il faut, l'énergie qu'il faut. Tout juste pour ça, c'est pas de moi pour lui dire merci en fait. Et anecdote, mon grand-père a failli sortir avec Angélique Kidjo. Donc, comme ça, c'est.